Francis Perron défaite 3-2 ce soir contre Holton, le leader. C'est un petit peu rageant parce qu'il a vraiment pas manqué grand-chose à Sierre pour faire un bel exploit ce soir. Ouais, je pense que sincèrement, l'effort était là. On a compris beaucoup de pénalités qui nous ont coûté un peu cher pour le momentum ce soir. Mais je pense que l'important, c'est qu'on a démontré qu'on est capable de jouer avec la meilleure équipe de la Ligue. Mais c'est sûr que c'est un peu frustrant parce que surtout en fin de match, on a eu des belles opportunités de créer l'égalité. On a l'impression que Sierre n'est pas vraiment rentré dans son match. Est-ce que c'est plutôt Holton qui a mis une grosse pression ou plutôt vous qui étiez encore un petit peu dans le vestiaire ou qui avez peut-être trop respecté Holton en début de match? Ouais, je pense qu'au premier tiers, on n'est peut-être pas sorti aussi fort qu'on le voulait. Je pense qu'on leur donnait... Ouais, peut-être que le mot, c'est un peu trop de respect. Je pense qu'on leur donnait trop d'espace. On n'imposait pas vraiment notre rapidité puis notre pression en échec avant. Je pense que plus le match a avancé, mieux on a joué par rapport à ça. Mais je pense que c'est important que pour les prochains matchs, là, on commence dès le début. Là. On peut quand même dire que ce soir, c'est une bonne base de travail pour le match de demain à Chaudefond qui va ressembler quand même à ce match de ce soir. Ouais, je pense que il y a du positif et du négatif, là, comme à chaque match évidemment. Mais c'est sûr qu'on aurait aimé ça au moins aller chercher un minimum d'un point. Mais là, on ne peut rien faire, le match est terminé, puis on se tourne rapidement parce que demain on a un gros match contre Chaudefond. Merci beaucoup Francis et bon match demain.